Et on termine ce flash avec le présentateur de JT le plus connu de France qui était à Lille cet après-midi. Patrick Poivre d'Arvor a dédicacé son dernier roman, Tenir et se tenir au Furet du Nord. PPDA y livre ses confidences, aussi bien privées que professionnelles. Il revient notamment sur le suicide de sa fille, mais aussi quelques épisodes de sa vie professionnelle. Élodie Bernachon et Emmanuel Michel l'ont rencontré. On l'écoute. Elles sont grands reporters, elles viennent de pays très très différents. Ce sont des filles qui ont des vraies réflexions, notamment sur la foi. Et ça m'a intéressé qu'on m'interroge là-dessus, parce que finalement, c'est des choses assez intimes, mais qu'on abordera rarement. Et là, je me suis dit, allez, on se jette à l'eau et on dit ce qu'on pense. On n'a rien à perdre, au contraire, en disant les choses avec franchise. Et c'est ce que j'ai fait. Ça s'est bien passé, en tout cas.